Alors le marché aujourd'hui est à l'étroit, il va être complètement rénové. Alors qu'est-ce qui va être fait sur cette place? Alors c'est un paradoxe, effectivement, le marché va être rénové avec une couverture partielle du marché pour mettre à l'abri les commerçants et aussi les usagers en période d'hiver, en période d'intempéries. Par exemple, aujourd'hui, ça en est un exemple parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait moins quand même de personnes qui venaient au marché par intempéries. Mais alors, c'est un paradoxe parce qu'en ce moment, effectivement, il est à l'étroit parce qu'on a été obligé de le reconfigurer pour commencer les travaux. Mais les gens, ils en sont heureux parce qu'ils trouvent que cette proximité forcée, hein, le fait d'avoir resserré les étals des commerçants, les avoir changés de place, mélangés, ils trouvent que ça a une connotation conviviale et ça leur plaît bien. Alors, il va falloir qu'on y réfléchisse à ça, parce que ça leur plaît bien. Ça sera à peu près la configuration, d'ailleurs, de ce qui sera sous la halle couverte en temps normal. Voilà. Ça ressemble, il y en a qui m'ont dit, ça ressemble un peu au marché du midi, là, où on navigue, on passe d'un étal à l'autre sans faire beaucoup de mètres. Voilà, sympathique. Les commerçants, ils sont satisfaits, ils ont des conditions qui ne sont pas faciles, notamment pour s'organiser quand ils arrivent. Mais là, la placière, elle est au top. Mais le fait que le retour des usagers, le retour des clients est bon sur la configuration actuelle, ça les rassure et ça leur laisse préfigurer, puisqu'ils sont tous partants pour ça, que lorsque le marché sera couvert, ça sera une belle chose pour tout le monde.